Mieux avec la clé. Elle ressemble étrangement à un robinet. J'essaye. Ça alors? Encore une porte? Hé, hey, galère! Par les tripes de Yor, faut tout casser! Ouais! Ah non! S'il y a un enchantement sur la porte, on va finir en petit tas de cendres! Je ne sais pas pourquoi, mais cette funeste perspective me procure un frisson particulier. Il y a un truc d'écrit, encore? C'est un genre de poésie. Jamais je ne suis loin de mon autre jumelle. On m'associe souvent au parfum vomitif d'une partie du corps qui n'est pas vraiment belle, localisée fort loin de l'organe olfactif. Bah, en gros, c'est un truc qui pue et qui est loin du nez. J'ai trouvé! Chaussette! Ouais, bravo! Facile! Hé, hey, j'avais trouvé, moi aussi! Chaussette! Chaussette! Chapitre 4e. La fête des démons. Nos aventuriers sont parvenus dans les couloirs sombres et silencieux du 4e étage. Ils s'avancent jusqu'à l'antre de la créature démoniaque qui pourrait apporter des réponses à leurs questionnements ou sceller leur destin en éparpillant leurs tripes dans sa tanière. Il a dit quoi, là? Bon, on entre. Du calme. Peut-être qu'on peut réfléchir un peu, avant. Réfléchir, c'est pour les faibles. Bon, qu'est-ce qu'on va dire à ce démon immense et repoussant? Si on a le temps de parler avant qu'il nous arrache les bras. En général, on peut discuter avec un démon. Ce sont des créatures d'une intelligence supérieure. Mais on peut parfois les berner avec des raisonnements très simples. Intéressant. Et tu as de la pratique dans l'art de berner les démons? Pas tout à fait. C'est une approche théorique. J'ai lu ça dans un livre. Misère! Par les tentacules d'Exor, qu'est-ce que vous faites dans mon ordre? Le démon! Ah, finalement, il n'est pas immense, juste dégueulasse comme une grosse blatte. Ne l'écoutez pas, votre grandeur infernale. Nous venons en paix. Nous venons en paix? Sérieusement, c'est tout ce que t'as trouvé? Je flaire l'essence du dieu de la loose sur vos frêles personnes. Pourtant, vous ne ressemblez pas à ses serviteurs habituels. Je crois qu'il parle de manque de bol, le dieu de la loose et du fumble. Encore un dieu bien pourri. En effet, il a maudit ce donjon et il a décidé de faire de ma vie un enfer. Un enfer? C'est un comble pour un démon, non? Ouais, c'est ballot. Je ne suis pas certain d'apprécier cet humour. Désolé, menaçante turpitude. Et vous disiez que vous sentez son essence sur nous? Cette amulette que vous transportez est liée au dieu de la loose. Nous venons justement pour vous demander de l'aide à ce propos. On n'arrive pas à s'en débarrasser. En général, je massacre tous ceux qui passent par ce couloir, surtout s'ils portent la marque de manque de bol. Non! Que la brumouffe! Attendez! Nous sommes tous maudits par manque de bol! Alors nous sommes dans le même camp! Les ennemis de vos ennemis sont vos amis! Ah!
ce n'est pas complètement stupide. Vous utilisez pourrait être plus distrayant que de vaporiser votre sang à l'intérieur de vos intestins. Oui, oui, voilà, utilisez-nous. Nous sommes très utilitaires. Nous allons sceller un pacte. C'est un contrat pour avoir nos âmes, c'est ça? Je me moque de vos âmes minables. Je ne peux juste pas dissiper moi-même les rituels de Manglebol. Vous n'êtes pas assez puissant? Bien sûr que si, mais il s'avère qu'ils sont trop repoussants. Libérez cet étage de l'emprise des cultistes de Manglebol, et je vous aiderai. Vous? Vous les trouvez repoussants? Ça doit être vraiment horrible! Ces rituels repoussent les démons, mais pas les mortels. Si vous parvenez à m'en débarrasser, je vous aiderai. On n'a pas trop le choix, en fait. Bon, c'est entendu. Empruntez l'autre porte et vous arriverez dans la zone maudite par les sbires de la Louse. On est déjà maudit de toute façon, alors un peu plus ou un peu moins... Un peu plus, c'est peut-être un peu trop. Hein. La curiosité est un défaut qui peut se révéler mortel. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. C'est étrange cette mélopée. Cela ne ressemble aucunement à des rituels démoniaques. Hé, hey, regardez! Des orques sur le sol! Sans doute des victimes sacrificielles. Il est encore temps de faire demi-tour. C'est marrant, j'ai envie de t'écouter en ce moment. Bah quoi, c'est juste des saloperies d'orques. Pah. Ouais, les humains, faut les tuer. T'approches pas trop près. À moi. Même pas mal. Aïe.
Un bon orque est un orque mort. Bon ça, Bobiette. Aïe. Les orques, c'est dangereux. Il faut une bonne tactique. Tapis. T'approches pas trop quand même, hein. Vous connaissez la blague de l'orque bourré ?
nain. Baston. Dégage, t'es sur mon chemin. Hey, arrête de rêver à la lune, c'est pas un fromage. Les nains n'ont jamais mal. Même pas mal. Tiens! Was das Nyam Nyam sollt mal weg. Merde.
Eh ben, quel carnage! Je suis content de ma stratégie. Akala glouglou. Ouais, ça a pas bon goût, les potions. Je mets la carte à jour. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Ça va poutrer grave. Ah cool, Chrome a le même chez lui. C'est mon matériel. Ah non, pas mes poches. Attention à mes livres. Je donne rien à personne. Formidable ! Voici nos sympathiques candidats, qui sont aussi nos sympathiques invités. Encore lui ? Saloperie de gobelin ! Mais c'est quoi ce bordel ? Entrez, entrez ! Venez profiter de la seule, de l'unique, de la formidable fête orque de l'ours à la bière ! L'Orktoberfest ! Mais c'est payant à tous les coups ! Oh ! C'est plein de couleurs et de gens qui s'amusent ! Leurs saucisses n'ont pas l'air très honnêtes. Et je suis certaine qu'ils n'ont pas de permis pour exploiter un débit de boisson temporaire. Faut faire cesser ce bordel ! Par Chrome, il y a de la bière et des saucisses ! Quelle miam miam !
N'ayez pas peur, approchez. Laissez-vous tenter par notre exceptionnelle bière triple et nos incomparables saucisses aux herbes. Peut-être qu'on peut juste boire une bière avant de combattre. Et manger des saucisses. S'amuser un peu, ça peut pas faire de mal. C'est un piège. Il y a un enchantement qui... Bon, une toute petite bière alors. Ah, et ma tête! Ah, j'ai mal à la barbe! Je veux vomir! Alors, on a mal à la tête! On ne supporte pas la bière forte! Faites-le taire! Juste une petite bière, hein! Oh, il y a un mammouth qui danse dans mon crâne! Youpladoum, copain! Ah, tu es content, toi, forcément! Attendez, j'ai un sort de dissipation d'ivresse de groupe. Ah, voilà qui est mieux. Alors, où sommes-nous? À l'entrée du donjon de Nahulbug. C'est ça le donjon? Il a pas l'air terrible. Faut pas s'y fier, personne n'en est jamais sorti. Attends, pourquoi tu dis ça? C'est plus fort que moi. Ah, misère, ce pourri de gobelin nous a encore roulé. On n'a même pas sorti nos armes. Si on y retourne, il faut vraiment pas boire. Avec un peu de volonté et un grand désir de justice, on pourra s'en sortir. Et puis un coup de matraque dans leur tronche. Je crois plutôt qu'il nous faut une protection magique. Ton sort de dissipation ne suffit pas. Il n'est utile que si le mal est déjà fait, on tournerait en rond. Ce qu'il nous faut, c'est une potion de protection contre l'envoûtement. Une potion à boire pour éviter de boire? C'est vraiment de la merde, la magie. Le pharmacien qu'on a croisé a dit qu'il avait des recettes pour résister à l'alcool. On devrait essayer. Encore de la magie? On peut sans doute réussir sans ça. Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Mais c'est ma troupe d'aventuriers préférée. Les mille? Mais vous faites quoi ici? Bah, à mon âge, vous savez, on a souvent besoin d'un petit remontant. Et puis ma vieille blessure au genou qui me fait parfois souffrir. Attendez, monsieur Brocoul, votre magique amant contre les maladies honteuses. C'est pour une amie qui a des problèmes. Enfin, vous voyez. Elle a des problèmes avec son genou? Je crois que c'est plus haut. Ah, bon. Nous aussi, on aurait besoin d'un service. Ah, voyons ça. Langue blanche? Œil jaune, haleine de chacal moisi. Je dirais que vous avez un problème d'alcoolisme qui vous cause une stéatose hépatique. Pas du tout. C'est pas de notre faute. C'est magique et on nous a forcés. Ils disent tous la même chose, vous savez. Il faut vous faire aider. Il y a des groupes de paroles anonymes. Admettre qu'on a un problème, c'est le premier pas vers la guérison. Mais pas du tout. Je vous dis que c'est une malédiction. On nous a forcés à boire. Aidez-moi, vous autres! Non, mais vous bidez pas, on sait ce que c'est, hein? On boit un coup, et puis un autre. T'es qu'un sale poivreau, c'est tout! À vos compagnons vous soutiennent dans l'adversité. Mais je ne suis pas alcoolique! Attendez, il a raison. Nous sommes victimes d'une malédiction. Des démons nous obligent à boire. Bon, si votre sorcière le dit, j'imagine que c'est un peu plus fiable.
Merci, la confiance règne. Et donc, en dehors de vos problèmes d'alcool, vous avez besoin de résister à une tentation magique? Il pige à deux à l'heure. On aurait plus vite fait d'apprendre à lire à un tabouret. Mais je n'ai pas de problème d'alcool. On a juste besoin de résister à la tentation causée par les démons. Je vois tout à fait le genre de magicament dont vous avez besoin. N'en déplaise à votre compagnon à la verticalité contrariée, mais il vous faudra quérir les composants idoines. Voici une liste. Bon, je vous remercie. Nous reviendrons avec les ingrédients. Alors, de l'eau croupie... La bière, c'est mieux. De la poudre d'os et des ailes de papillon. Mais moi, je veux pas tuer des papillons. Dites, sinon il y a peut-être un moyen plus simple. Ah, de quel ordre? Faut parler plus fort. Il y avait un type qui se baladait il y a quelque temps avec une ombrelle de résistance démoniaque. Un genre de bonze ou un truc comme ça. Un objet magique de résistance, ça peut aider, en effet. Ouais. Il disait qu'il était protégé de l'influence des démons. Que son bidule avait été tricoté par les dieux ou un truc comme ça. Intéressant. Plus fort! Sauf qu'il s'est perdu dans les catacombes. Soi-disant qu'il cherchait la sagesse dans l'isolement. Et des tortues à nourrir avec des pizzas. Vous voyez le genre? C'est pas un peu farfelu, ce truc? Moi, ce que j'en dis, c'est pour rendre service. Et puis, j'aime pas trop ce phare magicien avec ses airs supérieurs. Nous allons y réfléchir. Plus fort, je t'ai dit! Ah là là, misère, mon beau jardin, mes carottes, mes rutabaga. Bonjour, bonjour. Oh, vous avez l'air tout triste. Mon jardin est ravagé par une horde de rats aux pieds géants. C'est une catastrophe. Mais quelle horreur! Je ne sais plus quoi faire. Ils détruisent les semis, mangent les racines, dévastent toutes les plantations. Plus un cardon à se mettre sous la dent, plus une rose, plus un œillet pour les bouquets. En même temps, les légumes, c'est pourri. Et les fleurs, ça sert à rien. Les rats dans les mines, on les enfume avec des gaz asphyxiants. Un bon nuage mortel et hop, problème réglé. Ah, mais je ne peux pas. Tout le potager du donjon est labellisé « jardinage biologique de Fang ». Je ne peux utiliser ni alchimie, ni moyens magiques pour me défendre. Tous ces superstitieux rétrogrades qui refusent la science. Faut admettre quand même que des navets arrosés au gaz asphyxiant, ça donne pas trop envie de potage. Il faut qu'on aide ce pauvre jardinier. Je suis triste quand les fleurs disparaissent. Mais pour ça, faut tuer des rats. Sauf que quand on en tue 10, le lendemain, 20 autres arrivent. Mais je peux pratiquer la lutte biologique intégrée. La quoi? Introduire des prédateurs naturels des rats aux pieds. J'ai lu dans un numéro de l'almanach de Fang que les meilleurs sont les araignées géantes. C'est vrai que c'est beaucoup plus rassurant que du gaz mortel. Du coup, il me faudrait des œufs d'araignées géantes. Mais je ne peux pas aller en chercher. Si je quitte le jardin, les rats vont manger les derniers légumes. Je suis vraiment désemparé. Bon, si on croise des œufs d'araignée, on pensera à vous. Attention, il faut des araignées géantes des profondeurs. Celles de la surface ne font pas l'affaire. Il dit qu'il veut bien essayer une omelette aux œufs d'araignée géante. Franchement, c'est pas plus immonde qu'un plat de légumes bouillis. Si vous m'aidez, vous n'aurez pas affaire à un ingrat.
Et là, attention à ta tendinite, vieux. Je sais pas si on a le droit, ce n'est pas à nous. Galère. Pouah. Dans ta gueule. C'est souvent dans ma gueule. Watch. Je commence à croire que le nain a raison. Ne jamais me tourner le dos. Ah.
Ça poutre. Prends ça, mauviette. Pas bien, je n'ai rien, mes livres non plus. Je vais signaler ce donjon après l'aventure. Il ne correspond pas à la nomenclature.
l'intelligence. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. Ça sent, c'est mes bottes. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Chut, c'est le foutoir là-dedans. Attention à mes livres. Avec ça. Cette potion avait un aspect suspect. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond.
Clagvuk. Et là, un troll, faites gaffe! J'attaque! Ouais! Attendez, il est enchaîné! Clagvuk! Il a dit quoi? Kalunga! Ah non, si l'ogre s'y met! Olvo Flatum Pam Pam! Si j'en crois mon dictionnaire troll, il dit qu'il veut manger l'elfe. Quelle bonne idée! Mais ça va pas la tête? Il faut savoir se sacrifier parfois. Flagvuk! On doit pouvoir lui donner autre chose! On peut aussi s'en aller, on n'a pas que ça à faire! Ah, merci! Ah! Il parle notre langue, tu t'es bien foutu de nous! Les cris, c'est pour effrayer les touristes! Bon, et alors? On gagne quoi en échange de ta croûte? Je vais vous donner quelques informations. Vous êtes un genre de guide touristique? Quel genre d'informations? Je vous conseille d'éviter les maraudeurs. Ils sont parfois dangereux avec les gens inexpérimentés ou mal armés. Comment il nous cause, le gros tas? Les conseils de survie ne sont jamais inutiles dans des oreilles avisées. De toute façon, ils se cachent le plus souvent derrière leurs portes blindées et elles ne s'ouvrent qu'avec un de leurs médaillons magiques. A priori, aucun risque que vous tombiez sur eux par hasard. Si on les croise, on leur pourrira la face. Une porte à verrou enchantée, c'est intéressant. Et faites attention aussi aux araignées géantes. Leur population est totalement hors de contrôle, surtout depuis que je suis attaché ici. Elles ont fait des nids partout dans le coin. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Merci. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je vous en prie, mon mari a été enlevé, il faut m'aider à le retrouver. Il est percepteur à la coopérative. Une histoire d'amour contrariée, il faut l'aider. Pas du tout, voyons. C'est un gros imbécile alcoolique qui dilapide ma dot. Mais alors, du coup, pourquoi vouloir le libérer? Il doit signer les papiers du divorce. Je veux récupérer mon argent. Un enlèvement, c'est un crime grave. Il faut traduire ces bouseux devant un tribunal et leur retirer la couenne. Ils ont l'air un peu débiles, mais bon, je n'ai pas trop le choix. Si vous le retrouvez, je vous donnerai une bonne récompense. Ah, si c'est une question d'oseille, déjà, ça nous parle plus. Ils sont où, ces maraudeurs? Je lui courais après pour qu'il signe, et les maraudeurs ont surgi. Ils l'ont emmené et sont partis par cette porte. Mais il doit y avoir un genre de code, j'ai pas réussi à entrer. Les portes verrouillées, c'est le drame d'une civilisation bourgeoise. Surtout quand le voleur du groupe est pas foutu d'aider sur cette question. Bon, on va enquêter et voir ce qu'on peut faire. Merci, vous n'aurez pas affaire à une ingrate. Bon voilà, c'est une porte. Fermée. Il y a une forme étrange sur la serrure. Je pense que la clé doit être d'un modèle très particulier. Comme quoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas cambrioleur. On le saura. Il y a une forme étrange sur la serrure. Je pense que la clé doit être d'un modèle très particulier. Il y a une forme étrange sur la serrure. Je pense que la clé doit être d'un modèle très particulier. Justice est rendue. Hop, tu la vois, ma capuche? Hé hé hé.
les boîtes, vous connaissez. Voilà. Bien joué, vieux. Mauviette! On gâche plus! Où je veux, et c'est souvent dans la gueule. Prends ça, mauviette. Pas bien, je n'ai rien, mes livres non plus. Cette potion avait un aspect suspect. Regardez ce corps. On dirait un genre de moine. Et il a un parapluie sur lui. C'est peut-être l'ombrelle magique dont nous a parlé Émile. Elle est pas très jolie et elle sent mauvais. Un peu comme toi, quoi. Quelqu'un m'a parlé? Oh, pardon. Je t'avais pas vu au milieu de la crasse. Mais bouclez-la! Je vais l'examiner.
Azal Maganar Utal Izalnamar. Cela ne semble pas de bon augure. Non, c'est juste une ombrelle pourrie, gluante et moche. Un tuyau bien pourri, en somme. Bon, il n'y a plus qu'à se rabattre sur les ingrédients du pharmagicien. Rome n'a pas besoin de cartes. Rome n'a pas besoin de cartes. La paladine gagne un niveau. On va donner leurs os à des clébards.
vient prendre un requiem dans la face. Les morts, ça doit rester en terre pour donner à manger aux arbres. C'est trop injuste. Retourne dans ta tombe. Tu m'as pris pour une quiche ?
Ça pourrait être moi dans quelques années. Pour une fois qu'elle touche quelqu'un. Oh ! Les morts, ça doit rester mort, c'est tout. Aïe ! Chrome ! Où est-ce qu'on tape ? Encore là. Eto, rapido.
peu, toi. Et paf! Dégage! Oh, oh, oh. Tiens, je m'émâche où je veux, et c'est souvent dans la gueule. C'est bon, je l'ai bu. Ça fait quoi ?
suis vivant! Même pas en rêve. Attention à mes livres. Le Ranger gagne un niveau.
Nous avons trouvé les ingrédients. Diantre ! Je n'aurais pas parié là-dessus. Parfait. Je m'y mets tout de suite. Et voilà. Une gélule chacun. Parfait. Ah. Et maintenant, on va choper ce gobelin pourri. Ouais. On va lui scier les jambes avec un pied de chaise. Ouais. On va lui faire bouillir les yeux. Ouais. Et puis, on va lui fracasser la tête sur un coin de table. Ouais. Et puis, on va froisser ses vêtements. Ouais, quoi? Encore un miam miam, coucou. Il dit qu'il veut le manger ensuite. Ouais. L'argent doit circuler. J'espère que ce sera un investissement utile. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Attention à mes livres. Je donne rien à personne. Bacala, miam miam. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Y'a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac! J'ai des noisettes pour les écureuils! Tu veux quoi? Ah, ça déboîte! C'est cool! Si ça sent, c'est mes bottes. C'est vachement plus utile que le rempaillage. Un vrai leader avec de vraies compétences.
J'ai un message express pour vous. Pour nous ? Je cherche un groupe comprenant un ramasseur de poules, une laveuse de pichet, une elfe maladroite, un nain irascible, un voleur pleutre, un ogre mélomane et un barbare bourrin. Ah, c'est cramé, c'est pas nous. Ah, je dirais que si, pourtant. Le message est destiné aux compagnons qui cheminent avec eux. Tenez. Ah, la vache ! C'est le Clipitaine qui m'écrit. Qui ça ? Le Clipitaine qui commandait ma compagnie de mercenaires. Avant. Quand j'étais papaladine. Je vois. On n'a visiblement pas toujours été du bon côté de la loi. C'est pas tes oignons. Bon, il faut que je lise sa lettre. Il m'a sauvé la vie plusieurs fois. C'est une question d'honneur. Il a besoin de moi. Il faut que j'y aille. Le truc, c'est qu'on est coincé ici, dans le donjon. Ça tombe bien. Il me donne rendez-vous à la taverne. Allez, mouvement, les débiles. Allons bon, c'est quoi cet attroupement ? On dirait qu'un type est allongé par terre. Il faut s'informer. Si c'est une agression, il faut trouver les coupables et les déférer vite fait devant la justice. Il a peut-être glissé sur une flaque. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Bah, misère. Ma carrière est foutue. Allons, courage, l'ami. Tu pourras peut-être te recycler comme videur de pots de chambre de deuxième catégorie ou comme laveur de bidets par intérim. Pardon, mais il se passe quoi ? C'est terrible. Je transportais la recette du jour de la taverne jusqu'aux caisses de la coopérative et j'ai été attaqué par une bande de voleurs. C'est terrible. Les gens ne respectent rien. C'est la troisième fois que ça m'arrive. Cette fois, ils vont me tabasser à la planche à clous. Misère de misère. Trois fois ? Ah, ton compte est bon, en effet. Bon, mais les gars peuvent peut-être faire quelque chose pour vous, non ? Oula ! En ce moment, les effectifs sont contraints et nous avons des problèmes de tableau de service. Et puis, c'est hors de ma juridiction. Hors de votre juridiction ? Ce sont des bandits qui ont fui dans le donjon, non ? Oui, mais les gardes de la taverne ne peuvent intervenir hors de celle-ci qu'en flagrant délit ou sur réquisition judiciaire de la coopérative. Alors... Et si on prévient la coopérative, je vais être exécuté pour ne pas avoir été tué en défendant l'or. La vache, c'est... compliqué comme cas. Nous, on est plutôt des gens d'action. Des aventuriers ? Les meilleurs. Alors, vous allez retrouver l'or ? Oula, nous ? Ben... De l'or et de la baston. C'est honorable et ça poutre. Ah, si vous m'aidez, vous n'aurez pas à faire un ingrat. Ils ne doivent pas être bien loin. Voler des voleurs constitue une action hautement morale, en plus d'être potentiellement lucrative. Bon, on va y penser. Capitaine, c'est vous ? Évidemment que c'est moi, soldat. Je suis ici incognito. C'est qui encore ce gros naze ? Tu causes correct, peau de chambre à barbe. C'est mon Clipitaine, le chef de ma compagnie mercenaire. Enfin, c'était. Tout cela n'est pas clair. Je croyais que tu étais paladine de la justice. Ouais, mais je suis pas né comme ça. Avant, j'étais mercenaire. Mercenaire ? Comme dans les mercenaires qui tuent, pillent, rançonnent et rasent tout sur leur passage ? Cool ! Ouais, y a de ça. Quand on prenait un village, on le rasait de près, hein. Pas vrai, Clipitaine ? Tout cela est bien loin, soldat. Ouais, j'ai arrêté les conneries. Ah ? Et pourquoi, au juste ? Les gens qui racontent leur vie au premier venu méritent de mourir. D'accord, bonne ambiance. Bon, vous voulez quoi, Clipitaine ? Depuis que la compagnie est dissoute, j'ai gardé le contact avec nos anciens camarades. Plusieurs semblent avoir disparu après s'être rendus au donjon de Naheul-Beuk pour répondre à une annonce. Si ce sont d'anciens mercenaires, une paladine de la justice doit s'en moquer, non ? C'est mes anciens compagnons d'armes. On a traversé l'enfer ensemble.
J'irai jusqu'au bout du monde pour eux. Il semble qu'ils aient été attirés dans une salle d'entraînement du donjon par une petite annonce qui promettait une grosse récompense pour un travail facile. Faut dire que la plupart de nos gars n'ont jamais été des lumières. Ben quoi, ça a l'air cool comme annonce. Une grosse récompense. Ouais. C'est sûr que si c'est bien payé... Et que c'est facile. Pourquoi se priver? Le niveau intellectuel de votre compagnie actuelle ne me semble pas beaucoup plus élevé. C'est vrai. Ils sont un peu débiles. Je te signale que nous sommes à côté de toi. Je sais, sinon j'aurais parlé plus fort. Bon, il faut aller à la salle d'entraînement et distribuer des mandales. On peut aussi y aller pour poser des questions. Ouais, mais les mandales d'abord, ça permet de délier les langues. Parfait. Je dois faire un détour pour récupérer un autre déguisement. Je vous retrouve là-bas. Content de travailler de nouveau avec vous, soldate. Émouvant, cette fraternité d'armes. Ouais, très. Bon. Assez larmoyés comme des chamelles enrhumées. Allons-y. Eh mais en quoi ça nous concerne d'abord? Et pourquoi on s'en occuperait? C'est pour servir la justice. Et puis il y aura sans doute du fric à la clé si c'est tout ce qui t'intéresse, l'avorton. Mais pas du tout, je... C'est important la justice. Excusez-moi. Je cherche des aventuriers désireux d'accomplir une petite mission bien payée dans le donjon. Il a dit bien payée. Il faut qu'on l'écoute. C'est bizarre, hein? Quand on parle de profit, t'as des oreilles qui poussent. Va mourir! Pardon, vous disiez? Eh bien... c'est une mission un peu, disons... pas très très légale. Si c'est illégal, on va te faire jeter en tôle, sale pourri. Oui, bon... disons que c'est pour un emprunt. Ce n'est pas vraiment du vol dans ce cas. Certes, la propriété privée n'est pas toujours un concept très pertinent. Et donc, qu'est-ce que vous voudriez emprunter? Et à qui? Bon, je dois vous dire que je suis cuisinier dans une taverne très célèbre de Glarg. Ça tombe bien, mon frère est gardien de phare. Non, je déconne. Tous mes clients me tannent pour que je serve de l'ours à la bière. Et je n'arrive pas à reproduire la saveur de celui du donjon de Nelbeck. Bah, c'est juste de l'ours rôti avec une sauce à la bière. En apparence seulement. Mais certaines épices rares sont appliquées. Malgré mes demandes, le cuisinier ne veut pas me donner ou me vendre la recette. Alors? Alors, on bute le cuisinier, on piétine ses tripes. Non, non, je préfère juste que quelqu'un recopie la recette. Discrètement. Vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Eh bien, je pense que nous pourrions faire cet emprunt pour vous. Parfait, parfait. J'attends ici avec l'or. Pardon, mais êtes-vous les aventuriers qui couraient après les braqueurs de la taverne? Non, on est leurs cousins et je m'appelle Josiane. Ah, désolé, mademoiselle. Mais non, mais... Pff. Oui, pourquoi? Vous avez vu quelque chose? Oui, toute une bande de sinistres personnages qui parlaient d'aller partager leur butin autour du bassin. Ils sont partis par là. Ah bah, merci du coup. De rien, mademoiselle Josiane. Bonjour, je cherche des mercenaires pour une mission de la plus haute importance. Des gens vraiment courageux, inventifs, débrouillards et très compétents. Pas de problème, on dirait mon portrait. Enfin, le nôtre, je veux dire. Je ne sais pas trop. Je suis paladine de la justice. Et croyez-moi, on déboîte les orques à la douzaine. On n'est pas des mauviettes. Sans exclure néanmoins une certaine subtilité. Bah pourquoi pas. Je n'ai pas encore trouvé de gens volontaires pour cette mission périlleuse. C'est quoi alors? Retrouver un talisman perdu? Vaincre une liche? Détruire un troll? Trouver un robinet. La quête de Baltringue. Écoutez, je sais que l'intendant de ce donjon détient un robinet magique qui permet d'avoir de l'eau tiède pour la douche à volonté. Je veux l'offrir à ma femme. Il nous prend pour des plombiers? Aidez-moi, et vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Le prix n'est pas un problème. J'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, de toute évidence. En plus, on sait que l'intendant, c'est ce Revax. Le robinet doit être au troisième étage. Ça sera facile, on a déjà bousillé tous les gobelins. Top est là! On va chercher votre robinet au péril de notre vie. La 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 la
cas-là, volons. Oui, oui, vas-y. Ça sent, c'est mes bottes. Ah non, pas mes poches. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Ne pas mélanger les potions. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Ça va saigner. La justice avance, les criminels reculent. Ressemble à des chèvres anorexiques! Et les tiens, des gobelins! Répète un peu, escroc! Et toi, charlatan!